Aujourd'hui, je suis avec l'une des doyennes de la commune, Madame Odette Bégarin, qui a... Eh ben, va vous le dire. Madame Odette Bégarin, bonjour. Bonjour. Alors, quel âge a-t-elle ? 97 ans. Qui date 97 ans? Ah bon, j'ai besoin de prendre un papier pour te voir la date là, parce que ça partait en moi. Odette Bégarin qui a resté à la Mantin, ça fait 5 générations. Elle est la 5e génération. Elle est née au Lamantin, sa mère est née au Lamantin, son arrière-grand-mère est née au Lamantin, donc tout le monde fait Lamantin. Mmh. Oui, c'est toute la famille, c'est Lamantin. Ou pas j'ai quitté Lamantin depuis 96 ans? Ah bon, j'ai quitté Lamantin, sauf quand à visiter on, deux fois en France, elle va retourner à casa. Deux fois tout seul? Oui, deux fois. Alors, quand on a fait, quand on a songé, nous, de Lamantin, qui j'en connaît Lamantin, qui j'en quoi trouver Lamantin vine? Eh bien, la montée est toujours même bitée, mais c'est un changement qui t'y pas de travail. Mm-hmm. Pas de travail, mais en temps là, ça, même si c'était pour des sous, mais on te travaille. Donc, vous, quand tu as fait comme travail? Quand planter canne, planter jardin, et en vendre sorbet, en vendre glace, en vendre tout ça. En tout cas, juste à Belay, déroser, chercher un demi bas glace et dévirer. Fais snowball, moi, Van. Et tout le monde en fait la montagne? Tout le monde c'est la montagne. Combien de monde on est? On a eu 7 conseillers là, mais on fait 11 monde. Mm-hmm. Et on a eu mort à 23 ans dans l'accident. Et ça pas, ou pas, j'ai dit un jour, ben, qui était la montagne, on pas rester là encore, toujours on a envie de rester la montagne. C'est natal la montagne, et on pas, pour côté moi, encore, c'est le dernier moment. Ben, on nous parlait de, quand quoi fait vous, donc on savait qu'à 97 ans, ou quoi, soigner jardin yao, c'est qui a occupé des jardins yao, quoi marcher toujours ou vaillant? Oui, en vaillant toujours, mais on a commencé à faiblir à présent. Parce qu'on a pas beau. On a pas bon. On a attrapé fièvre typhoïde, on a attrapé douleur, depuis un temps, gigon, on a attrapé douleur, trois fois. Qu'est-ce que c'est, un gigon? Un gigon, c'était une nom mutation là, Ravine Chaude. Et là, on voyait qu'il a amené moi à Ravine Chaude. Deuxième petit monde en moins, on trouvait un peu plus à Ravine Chaude. Et Alphonse, vous voyez moi pour te dire moi. Et à un moment là, partie comme ça. Et c'était un souci. Et il y a deux chambres, chambre à femme et chambre à homme. Et faire un bon caillot qui a amené moi dans le bain là. Et il a amené moi à 6h du matin. Il est venu chercher moi à 3h dans l'après-midi. Donc, attends, il est allé sur toute la journée à Dambé? Toute la journée, c'est là qu'on a mangé. Parce qu'on a marché. Des bois ont été pris, des jambes ont été pris. Et c'est là qu'il est venu. Là, on est arrivé en bain là. On est descendu en bain là, on a boit 20 ans plein de l'eau. Et après, on boit de l'eau là, on a levé, on a cisé dans les marches là. Et on a été là juste 3h dans l'après-midi, travailler. Il est venu tirer moi en bain là. Pour tirer moi pour aller mettre moi dans un petit cajibi, un petit chambre. Et punaise à dedans. Punaise à présent, pas de punaise. Où j'avais la matin, où j'avais Ravine Chaude, sans que l'agent Jean y ait fait. Mais bien si, mais j'avais Ravine Chaude. C'est où qui inauguré? Mais j'avais. Et alors, donc, qui Jean qui a trouvé Ravine Chaude? Ravine Chaude, Jean où te connaît avant, et Ravine Chaude, Jean qui a voyé aujourd'hui là. Mais en tato ibio, Ravine Chaude, c'est une petite tenue monde qui travaille là, mais des filles en travail là en tant que tout bio. Après ça, ça a été abandonné. Après ça, on voyait où a commencé encore. Alors, en carton. Il vient plus belle. Mais donc, de toute façon, vous, ou dis-nous comme ça, Ravine Chaude, c'est de l'eau à Ravine Chaude qui guérit. Ouais. Donc, quoi, vraiment confirmer que de l'eau à Ravine Chaude ni des vertus. Mais bon, c'est de l'eau à Ravine Chaude, bon. Parce que là, on était rentré en bain là, en l'entour bain là, tenu en mousse. On a ramassé mousse là, on a fauté les genoux. Mais on va voir des genoux là, handicapés. Parce qu'à force, il prend pitié à Alphonse. Il comme ça, hein. Mais il n'a pas fait mal. Racontez-nous une journée, là, on a levé le matin. Qu'est-ce qu'on a fait le matin? Qu'est-ce qu'on a fait dans la journée? Le matin, on a levé, on fait café en moi. C'est un cavine en flair, en moi, expliqué bon lait. Mais un cas tourné en cavine. Et bien après ça, on a fait un petit travail en moi.
Donc en fait, sans rien tout, pourquoi pas créer tu travailles là? Oui, ben, moi, fleur, moi, quand planter fleur, moi, quand fait bouillir, manger, moi, tout, j'ai ma présent, quand la kafoukan, moi, j'ai tombé encore bon matin là. On souffre. Mais, en doubout. Eh ben, quand nous peut dire alors? Quand vous dire nous? Eh bien, on va savoir quand vous ouvrez, moi, je dis autre coup de dernier mot, ça, hein? Ah oui, oui, vous. En ça, vous quoi fait lui le carapate? Mes filles ont 26 ans, waouh! Eh bien, quand il a laissé y bail, parce que moi, je ne vais pas. Mais ah non, alors parlez-nous des carapates là avant. Qui j'ont quoi fait? Qui j'ont été café sans? Qui j'ont quoi fait? Eh bien, encore, ramasser carapate dans mon café ici. Avant, nous, on pied carapate là, devant. Avant, c'est le pied, plusieurs pieds même, en pas qu'à y chercher le carapate, en l'entour, en capant de carapate en moi. Et c'est même qui a vigné Marie, il n'a pas moulé bon moi, et il a fait tout ciseaux dans le chaud. Et quand il a essayé en rabat, il a essayé de faire, pas encore. Bon, on va récupérer, récolter les carapates là, en petit bois là, on va les sécher, et puis après ça, on va nettoyer, et puis on va piler, on va passer dans un moulin, on va passer dans un moulin là, on va prendre des canaris, nous croyons que c'est ça canari, mais des fétous, on va mettre ici charbon, on va mettre de l'eau dedans avec un pied poule, nous croyons que c'est ça pied poule, mais c'est un zeb. Oui. Des zèbes, nous allons mettre ébouilli, zebsi, nous allons mettre ébouilli, et là, ébouilli, au fur et à mesure, on va récupérer l'huile là, on va remettre ébouilli dans notre récipient, et puis après, on va mettre à terre, et on va commencer à récupérer l'huile là-haut. Quand récupérer l'huile là, ou quand remettre bouilli encore, ça va faire au moins 3 ou 4 fois pour remettre bouilli pour récupérer l'huile là. Jusqu'à temps séché. Ma maman toujours fait l'huile carapate. Toujours fait l'huile carapate. Oui, parce qu'il a planté carapate et puis récolté. Il n'a pas acheté carapate. C'est ça, donc pas ni monde qui a planté carapate, pas ni pied carapate. Non, non, lui qui a planté. Il a planté et là il commence à sécher, il a récolté, il a mis dans un sac au soleil et puis il a séché, ouais. Il a nettoyé. Et puis il a fait dictam aussi. Mm-hmm. Dictam là, comme là il ne paye pas encore, c'est moi qui a fait dictam là-bas. Il a fouillé, enfin il nous a payé un monde, il a fouillé dictam là-bas nous. Et puis il a pris des dictam là, on a lavé, on peut mettre dans plusieurs barils de l'eau, on a nettoyé, on a passé un moulin là. On a, il a dit pigé, c'est nous a pigé, on a donné de l'eau. Et nous allons laisser reposer. Et après reposer à présent, on va laver dans plusieurs de l'eau, puis il vient blanc. Mm-hmm. Et là, il vient blanc. Il va faire comme un sache. On va découper, on va mettre au soleil, sécher. Et là, il séché à présent, ou sans poudre. Hein. Il va venir en poudre, et puis. Ou... Il va venir en poudre. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. On ne peut pas manger, on va penser qu'on va faire une crème. On va mettre cacao dedans, et puis. C'est un dîner, on déjeuner, c'est j'en voulais. Hein. Mm-hmm. Quand ça vient épaissi, et puis moi, voilà. Épaissi, et non, il a mangé. Il a fait comme ça aussi, en crème, mais dur pour Timouna aussi. Mm-hmm. Quoi mettre l'état dedans, si vous voulez. Moi, enlever Timouna, moi, avec dictame. Vous levez un dictame aussi? Oui, mais c'est ça, on a battu Timouna, moi. Les batailles, nous avons entendu ça, oui. On a fait un dictame, on a pilé, on a fait farine, on a fait couler, on a laissé poser. À un moment, quand j'étais vieux de l'eau, là, on a mis bon de l'eau. Et à un moment, quand on arrive, manger, bye, puis manger. Et farine manioc, là, bon c'est même bien. Bon pour aussi, bon pour chiver, bon pour. Farine manioc, là, même bien aussi. Maman peut passer, moi, il a fait farine manioc, là, bye. Mm. Ou quoi, racher farine manioc, là. Ou quoi, nettoyer. Ou quoi, passer un moulin, là, rendu. Mm-hmm. Ou quoi, piger. Ou quoi, mettre dans des sacs. Ou quoi, mettre à la presse. Et là, on met à la presse. Ou ni des grilles. Ou quoi, passer dedans pour nettoyer. Pour faire farine. Faire farine, là. Et quoi, passer un. Platina, mais vous avez un cabistet, vous voyez, vous avez fait farine. Eh bien, c'est même bien. On a dit, même en mort, pas venir, on était là, il est là, il y a donc cas. Eh bien, nous, vous voyez, vous pouvez montrer nos platines là tout à l'heure. Alors, qui était là, il est là, là, les affaires, vous mêlez, vous pouvez faire des toits, vous pouvez manger. Vous avez payé, j'aime en faire. Nous, vous pouvez faire, ça c'est vrai, ça c'est sûr. Quel Guillaume? Guillaume, eh bien, quoi mélanger qui farine là, qui mon sache là, ensemble, et il a fait, il a rendu plus. Et tandis si c'est moussache là, il est moins. Mm-hmm. Il est moins fécule. Ouais. Il est moins. Et tandis que farine là, ouais. Quand on va nettoyer Guillaume, quand on va couper sa femme au sourire, on va manger.
quand il y a des platines là, Jean qui a fait et farine manioc là. Et puis encore merci on l'eau. Merci d'être interviewé. Merci des paroles là. Moi aussi, je suis bien content comme ça. L'un qui est mort, c'est nommé non à moi. Toujours. Ouais, toujours. Nettoyer, puis bien propre. Là où vous nettoyez, c'est puis bien propre. Alors ça, c'est pour y empêcher, brûler. Comment tu as fait? Ouais, et ça, quoi bah pour le manger? Quoi bah pour le manger? Et ça, ce sont les couteaux qui font pour pouvoir sécher la farine. C'est comme ça. Ça, ce sont des couteaux pour faire sécher la farine. C'est, on fait ça comme ça pour faire sécher la farine. Mais la chaudière, même, elle est très chaude. Hein. Là. Ça, c'est quand... well. Mm-hmm. Ça, c'est pour jeter. Et ça, c'est un râteau. Râteau, là, il est tout chaud. Ou quand tu as mis autant là, tu as mis. Quand il y a trop de farine, tu remues avec un râteau. Comme ça. Ouais, c'est pareil. Ouais. Et ça, ce sont des tamis. Des tamis pour passer la farine. Il y a deux modèles. Hein. Il y a un gros modèle. Et un petit. Et un petit. Tu peux répéter? Il y a deux modèles de tamis. C'est un grand. Celui-là, on fait la dictame avec aussi. Hein. Et celui-là pour passer la farine. Parce qu'il faut tamiser la farine. La farine de manioc. Et là, c'est la presse à côté. Okay. Mais je vais arranger ça pour un moment. Ça, ce sont des bassines pour pouvoir nettoyer la farine. Quand on passe la farine, c'est dans ça qu'on récupère la farine.